notre nouveau numéro de votre émission Jeune et Ambition. C'est une émission qui parle de la jeunesse force en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons invité un des entrepreneurs congolais. Vous allez le découvrir tout à l'heure. C'est parti. Merci, moi je suis Fabrice Kouaké, je suis entrepreneur congolais dans le domaine de construction depuis 4 ans déjà, je suis dans un domaine de construction. DG de la groupe immobilier de la rénovation du Congo, chez construction, c'est ça, je suis DG. Oui, c'est bon, il y a le motivant là pour nous créer entreprise. C'est mon ambition, hein. C'est mon ambition depuis que Nazan a ma école. Nazan a pas une école d'humanité secondaire et puis universitaire. Et Nazan a dit déjà, on a ma ambition pour créer un jour Nazan entrepreneur congolais. C'est ça, alors l'ambition de Nazan est pour qui ça. Et je suis entrepreneur congolais parce que j'ai déjà l'ambition pour t'en la mouiller vraiment façon et à pour vivre dans notre pays. Et moi, la magie, nous sommes assis sur la place. À qui a salué moi, Kabinaye. Et à l'époque, la bichou de Radio Koubenga, nous avons salué Kabinaye, salué moi, Salonaye. Moi, nous avons l'air pour vivre. Donc, nous avons un idée fait à Bichonaye. Et quand nous allons avant, nous avons étudié à la vraiment. Et par rapport à des salariés que nous avons créé l'entreprise, et les magiciens qui ont beaucoup de la rénovation du Congo, et où les nouveaux réseaux s'engagent même. Il y en a battu de l'eau, toujours dans le domaine, il y a toujours dans les salles, et nous allons travailler à l'heure de l'émission. Et l'autre, vraiment, il me manque à tout ça vite, vite, par rapport à la jeunesse, autrement, pour moi, dans le monde, la jeune Makouda, la jeune Iboué, la jeune Iboussena, la jeune Makouda-Mandia. Et pour ça, l'ambition, de créer une société de la construction, autrement, pour moi, un gîte immobilier de la rénovation du pays. Je suis spécialisé à agir pour le modèle de la rénovation du Congo, spécialisé dans la construction, besoin vraiment et engagé dans le domaine de la construction. C'est ça, spécialisé à agir dans le domaine de la construction, toutes les constructions étant et suivies. Donc, quand on va privé, on a mis ce que tu vas dans le monde. Et puis, va marcher sur le gouvernement et l'État. C'est sa spécialité, la mission Zahir. Il y a construction. Voilà, c'est ça. Voilà, conseil à couper ça. Ma magie, je vais vous dire. Bon, vie est passée. Avant de faire ça, conseil, il faut toujours me rendre le ciment. Et bien, je vais vous dire, je vais vous dire. Par rapport à quoi? Je vais ça, j'ai un conseil à vous dire. Normalement, je suis en train de forcer l'lobby de commun. Parce que Girte, toujours on a les deux Girte, groupe immobilier de la rénovation du Congo, ils ont la catégorie à l'écolo. Ils ont la société Moko, ils ont reconnu. Dans le cas Congo, la mission, et bien, il y a un qui est. Et puis, Girte, il y a malheureusement une société. Et bien, il y a un groupe, et bien, il y a un bureau de tir. Les logiques et comme une société par rapport à quoi l'exévérance qu'on a beaucoup de DG Fabrice Kouaké n'a pas tagué un président qui est jeune et puis partout on a travaillé qui n'a pas un temps et ça va être un niveau de tir dès le long de la commission de société et ça l'exévérance courage n'a pas conseillé par moi dans le courage au cours à la moins salon de coiffure n'a eu au cours à la moins maison de communication n'a eu et ça permettre qu'on a par rapport il y a ma idée na yo parce que alors on a ce soir ça là ils ont la idée mentalement morale ambition des mêmes rapports à s'attendre à ce qu'on a dit regarde les leçons dans un DG Fabrice Kouaké parce que pour une mission dans un des DG Fabrice Kouaké dans un école primaire école secondaire pardon ambition dans les alors déjà qui un jour dans un entrepreneur congolais. Voilà, j'ai depuis création en mots, j'ai été créé le 31 décembre 2016. Et moi, j'ai mis la peau pour agir. J'ai le Jésus XSL.
Jésus, l'identification nationale. Jésus, avant qu'on m'y ose. Anawana. Tilelo, l'église Jésus, avant qu'on m'y ose. Donc, c'est ça le problème. Jésus va marcher. Jésus va marcher privé malgré. Pour l'État gouvernement congolais, après ça, Jésus va marcher pour Jésus. Il y a des gens sérieux. Jésus catholique dans le Congo central. Jésus catholique dans la province de Yakouang. Jésus catholique dans le Kibouiti là-bas. Jésus catholique dans le Kibouiti. Jésus catholique dans le Kishasa. Et ça va prendre des liens pour Jésus qui a exécuté. Ah ouais, la province de Yakouang, Kishasa. Voilà, c'est ça. Et ça, dans la commune de l'Ancelé, dans la direction générale, pour l'État, après cela, nous sommes au Canada, et ça, dans la commune de l'Ancelé, précisément, dans la récapé, dans ce boulevard au Moumba numéro 17, c'est référence, dans les 5 derniers jours, où ils ont un campement, voilà, ils ont une usine, et c'est là, ça, la fabrication, il n'y a pas de bloc, la machine, là. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Jeune et Ambition, dont nous avons réussi le jeune entrepreneur congolais, M. Fabrice Poigné. Nous remercions M. Hervé Boutamba, le sponsor numéro 1 de notre émission et l'agence Horticlass. Un grand merci à M. Olit Bepaï, à Emmanuel Matassa, à Frère Amido. Derrière la caméra, nous étions avec Gladys Kakoudé. Moi et vous, on s'est retrouvés au micro.